les appeler. Me voici, me voilà. Oui, vous n'en pouviez plus. La nuit était trop sombre, c'est fini désormais. Dansons la voix Stella. Non, si vous n'êtes pas prêt, on peut annuler. Non, mais les gens comprennent, vous n'êtes pas venu depuis deux semaines, vous n'êtes pas forcément. On peut annuler. Il y a aussi, moi, je connais Guillaume. Non, non mais parce que j'ai quand même préparé quelques. J'aimerais bien souligner. Bonsoir à tous. On avait préparé tout un sujet sur le veau, ici. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un tas d'appels. Enfin, donc, disons qu'on a. On a suscité ces appels, puis un copain finit par appeler. Ils nous ont dit, il se passe un événement dans l'émission du Par ailleurs, non pas qu'elle manque d'événements, bien sûr, je ne suis pas dans cette ironie-là, hein, qui serait déplacée, mais l'événement, c'est le port du cuir par Guillaume Durand. Alors on a aussi travaillé, on a étudié les aliments qui ont été partagés, tout ce qui... on a étudié le vin aussi, mais nous sommes revenus sur cette histoire du cuir. Durand, cuir, ça a beaucoup fasciné Maître Morissard, d'où une soirée... Oui. Ah merde, non, on laisse pas la sorcière, Pierrot, ce soir. T'es venu de loin? Demain, tu l'as fait? Je suis désolé, je t'ai pas prévenu, c'est tout cuir ce soir. On revoit la sorcière ce soir, tout cuir, avec l'édito de Morissard. Et puis, des surprises, on vous expliquera pourquoi Guillaume Durand était en cuir. Ça n'a rien à voir avec la présence d'un membre des Stones. Alors, bonsoir, Morissard. Il n'est pas venu depuis longtemps, mais comme des gosses. Bonsoir. Direct, il a le contact direct avec les gens. C'est bah. Fort agréable. Alors, tout cuir. Tout cuir. En effet, voilà le titre de l'émission. Première question, pourquoi? Pourquoi ce titre provocateur? Pourquoi ce titre qui fait appel souvent aux fantasmes les plus profonds de la plupart de nos compatriotes? Pourquoi ce titre? Pourquoi? Parce qu'il est directement lié à la composition vestimentaire de Guillaume Durand. Et à ce titre, il nous a paru intéressant d'y revenir de manière plus industrielle et plus poétique. Ainsi... Ça vous embouche un coin, là. Parfaitement. Oui, oui, allez, vas-y. Deux éléments. Tout cuir. Tout cuir. Voilà. Tout cuir, ce sera le sujet de ce soir, sujet directement lié. Exactement. Directement lié à la plupart des animaux qui peuplent la planète à l'heure actuelle. Ça, c'est tout. Bon, alors on va vous expliquer en fait, c'est que Guillaume Durand, avant de présenter l'émission, fait ce qu'on appelle des ménages, des panouilles, c'est-à-dire qu'il présentait l'élection de Mister Cuir, il n'a pas eu le temps de se changer, mais il n'a pas été élégant jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au lieu d'inviter Mister Cuir sur le plateau, il a préféré inviter des stars du show business. Eh bien nous, avec Maître Morissard dit la grande après minuit, nous avons invité Mister Cuir 97, qui comme vous le constatez, ne porte pas de cuir, mais le fait porter par quelqu'un. On vous nous présenter Morissard un peu Mister Cuir, et après on va rendre à la présentation. Bonsoir. Ça va pas être long. Mister Cuir a la particularité de ne pas s'habiller en, je veux dire, cuir. C'est tout, finalement. Car l'intérêt d'une situation... Rendons l'antenne, c'est mieux pour nous. Bonsoir. Salut, Cuir Center. L'explication est simple, on va vous la livrer demain.